Mesdames et messieurs, petits écrans, nous voilà pour la suite de notre aventure avec Carto. On n'avait toujours pas trouvé Mémé, alors qu'on est pourtant sur l'iceberg. Est-ce que ce mystérieux septième iceberg ne serait pas celui sur lequel Mémé a atterri? Puisque je rappelle, elle était dans un dirigeable. On va essayer de voir ça en jeu. Donc, on retrouve notre ami Carto. On venait de discuter avec ce jeune homme qui est le fils de... comment dire, la dame qui nous avait donné un bateau sur l'île de Shiannan, qui est donc de la famille de Shiannan. Un phare abandonné, oublié, même par la mer. Et on avait récupéré surtout une tuile supplémentaire. Alors je vous avoue que les tuiles sont un peu compliquées à caler les unes aux autres. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Est-ce qu'on pourrait pas la caler genre par ici? Et revenir là? Est-ce que je peux en venir là de manière simple? Pas trop trop, non. Venir par là où on est venu, prendre le petit pont, traverser la brume, on n'y voit pas grand chose, retraverser le petit pont, et ici on doit pouvoir faire ça déjà pour explorer ici. Il n'y a l'air de rien avoir de particulier. Du coup, ça ne nous arrange pas des masses. Hein. Non, il faut que je bouge avec. Pense un petit peu plus, Carto, s'il te plaît. Et est-ce que, au hasard, je peux te bouger? Pas trop. Hein. Ce que je peux faire, par contre, c'est faire ça. Si je valide pas, ça valide pas. Oui, ça valide pas parce que c'est pas valide. On va remonter par ici. Mais quelque chose? Oh, on a fait un bonhomme de neige. Il lui manque la touche finale. Ah zut, la porte est verrouillée de l'autre côté. J'avouerais que j'ai pas très envie de retourner faire de la glissade. C'était fun, mais pas tant que ça. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est se caler ici. Je vais bouger celle-ci. Et je vais tout de suite aller ouvrir les portes que je peux ouvrir, histoire de pas me faire avoir la prochaine fois. Là c'est ouvert. Et là c'est verrouillé de l'autre côté. Ok. Ce qui veut dire que même si je fais ça, je ne pourrais pas passer. Il me semble que je ne peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ça, mais ça me paraît pas super intéressant. Est-ce que je peux relier ces deux-là? Je peux les relier comme ça.
mais ça me permet pas. Alors, est-ce qu'on a cet autre symbole de... Non, on n'a pas d'autre symbole avec les petites tourbillons. On va essayer de reconstruire un peu le paysage pour essayer de comprendre ce qu'il faut qu'on fasse. Parce que là, je suis un peu perdue, je vois pas comment aller. La porte est verrouillée de ce côté-là. Il faut que je sorte. Je peux faire ça. Si je fais ça, je peux sortir par ici. Avancer par là. Et me caler. Oui, ça n'avait pas d'intérêt de tourner en fait. Parce que du coup, je peux pas traverser pour aller là. J'ai pas moyen de le faire ici non plus. Peut-être que la solution, tout simplement, c'était ça. On va remettre Carto dans la ville. Comment j'ai fait pour y aller à cette ville-là? Ah, c'est parfait, en plus du coup j'ai tout ouvert. Ah ben voilà. C'est ça qu'il me fallait. Ça j'ai tout ouvert. Toi je vais te remettre un petit peu par ici histoire de pas t'oublier. Voilà, tout ouvert. Mon bonhomme de neige. Il était sur quelle tuile, mon bonhomme de neige? Je me souviens plus. Oh là là, je me souviens plus, mon bonhomme de neige. Ah, il est là. Il lui manque toujours la touche finale. Petit dadou! Est-ce que tu cherches le hack? Il se dirigeait vers le monolithe la dernière fois que je l'ai vu. Il en revient toujours avec une foule de nouvelles idées. Par contre, je ne te recommande pas de le suivre. Le bois venteux est juste à côté. Il te balayerait en un instant. Oh, monsieur, si, non, on y va. Non, on y va. Voilà. Donc là, il y a le hack. Et du coup, il y a effectivement le bois venteux. Une girouette qui s'accroche malgré les bourrasques. Effectivement, ça vente. Ça vente bien même. Ça vente tellement bien que je ne peux pas en repartir. Pas du tout. Bien plus ou moins ça. Ah, il y a quelque chose là-bas. Est-ce que je vais réussir à rejoindre le pont? Le pont, peut-être pas, ça non plus. Je me fais emporter par le vent. La girouette indique le sud. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Je suis un peu perdu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'arriverai pas à attraper ça. La girouette indique toujours le sud. Ok, en fait... Le vent est toujours dans le sens du sud, c'est ça que vous me dites. Donc du coup, si je veux attraper... ce sac, il faut que je réussisse typiquement à... C'est ça que je voulais faire. J'arrive pas à avoir ce sac. Et j'arrive pas à ressortir non plus. Oui, je peux pas caler. Je peux le caler là, mais ça n'a pas grand intérêt. Je peux le caler là. Dans ce cas-là, je continue de descendre vers le sud, mais... Bon. J'étais si occupé à réparer les ponts que j'ai oublié de m'occuper du monolithe. Je ne laisse pas la neige s'accumuler autant que d'habitude. Et bien sûr, j'ai oublié mon sac d'outils avec mon thé. Je sais que je ne t'ai même pas pu te récompenser d'un simple cornichon la dernière fois, mais... Pourrais-tu aller chercher mon sac dans le bois venteau? Le vent s'est levé au dernier moment et je n'arrivais même pas à me lever. Toi, par contre, tu sembles avoir traversé le bois sans encombre. Peux-tu bien aider un vieil homme, une fois de plus? Ouais, c'est-à-dire que le bois venteau, là... Non, je voulais valider. Il m'inspire pas trop ton bois venteux. J'ai encore oublié de valider, c'est ça? Oui. Je valide. Voilà. Non. Hop. On tourne comme ça. Ouh. On l'a eu en passant. Fastoche. Enfin, presque. Par contre... j'ai vu... Ah oui, c'est sur la glace que j'ai vu quelque chose. Ok. On va y retourner, du coup on redescend. Je me laisse emporter un petit peu. Parfait. Ça devrait suffire. Voilà. Tu as retrouvé mon sac, merci beaucoup. Dès que j'aurai saumuré quelques cornichons, ils seront à toi, promis. En attendant, donne-moi une minute pour déblayer cette neige. Regarde d'avoir un symbole sur le monolithe. Voilà, il a retrouvé toute sa majesté. Regarde ses motifs. Nos ancêtres ont dû abandonner cet endroit il y a plusieurs icebergs. Le climat était devenu inhospitalier. La légende raconte qu'ils ont laissé un trésor derrière eux. Un trésor d'une valeur et d'une utilité immesurable. Nous avons fini par revenir ici et mettre au point de nouvelles méthodes de survie. Je cherche le trésor depuis ce jour. Et je reste convaincu que nous le trouverons sur le légendaire 7e iceberg. Lorsque je ne sais plus où me tourner, je viens chercher l'inspiration auprès de ce monolithe. J'ai comme l'impression que les motifs laissés par nos ancêtres représentent un indice. Il y a un motif différent de chaque côté du monolithe. Peut-être pourras-tu les déchiffrer? Un motif différent de chaque côté du monolithe? Sérieux? Si je tourne? Ah oui, punaise. Ok, si on tourne les monolithes, on va avoir des symboles différents. Je sens qu'on va se marier. Surtout que je vois pas forcément comment on va pouvoir les représenter, nous, ces...
ces motifs. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Aujourd'hui, j'ai six iceberg. Considérant que ça, c'est un iceberg à chaque fois. Alors déjà, ce que j'aimerais faire, c'est aller chercher la chose que j'ai vue. Ah non! Ok, pas le choix en fait. Oh. On peut pas faire autre chose. Un monolithe ancien avec trois motifs mystérieux. Ok, j'ai pas d'idée là pour le coup. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ces monolithes? Regardez ce que j'ai comme forme. Ok. Est-ce que je peux essayer de construire un peu ce qu'il y a sur mon... Avec un comme ça. Ça ne doit pas celui-là. C'était comme ça. Non. Déjà oublié, c'est comment sur le dessin? Ça peut pas être celui-là du coup. Oui, c'est exact comme ça. Et de 1. Alors. Ensuite, un carré avec un comme ça. Donc le carré avec un comme ça. J'ai juste un souci, c'est que il faut que je puisse tourner ça pour... Et le dernier, un comme ça. Sauf que il est dans l'autre sens. Ok. Avec un comme ça. J'ai oublié le sens aussi, on va faire ça tout de suite. On a le phare qui clignote. Alors, est-ce qu'il faut que toi je te remette? Je pense qu'il faut que toi je te remette. Et est-ce que je peux vous bouger? Parce que là, clairement, on a un symbole qui se dessine. Ici, rien. Et on a l'air d'avoir le phare qui clignote. Je vais vous rapprocher histoire de mieux vous voir. On a le phare qui clignote. Mais encore. Un monolithe ancien qui émet un faisceau lumineux. Après, je veux bien faire en sorte que ce faisceau arrive par ici. Mais je peux pas le rapprocher plus en fait. Parce que même là ça marche pas. Ici il n'y a rien l'air d'avoir. Ici on clignote. Certes.
Je vais pas très loin à clignoter, hein. Ça m'arrange pas. Est-ce que le dessin serait pas important? On va tout droit. Ce serait un chemin. Oui, voilà. Je vais vérifier, mais je pense que. Oui, ça change rien. C'est activé, c'est activé. Du coup, qu'est-ce qui serait logique ? Par rapport à ce que j'ai là, je peux pas me caler comme ça. Et par exemple, si je me cale ici, ça passe. Parfait. Et ensuite, ici. Il me faut une zone. Je vois pas du tout ce que j'ai comme zone qui pourrait correspondre. On a ça comme. On a ça. Et je peux clairement pas. Alors je peux pas le mettre, mais il me fait des choses quand même. Peut-être que je suis mal mise sur cet enchevêtrement autrement là. Peut-être que plutôt du coup. Est-ce que je peux caler? Alors, j'ai du mal aussi avec. Je vais tout tourner. Faire ça, si on éloigne ça. Hop. Et du coup ça, ça allait. J'ai déjà oublié. Oh là là, j'ai déjà oublié. Catastrophe. Ça ressemblait pas à ça, je suis sûr. Ah, punaise. Peut-être déjà plus à ça. Et du coup, ça voudrait dire qu'on peut prendre notre phare et faire ça. Eh ben, c'était pas fastoche. On a enfin le septième iceberg. Cette secousse, tu penses que... Alors... Bon, on va pouvoir y aller. On va voir ce septième iceberg. Et ce que je voulais aussi faire, c'est aller faire des glissades pour choper ce qui va probablement nous servir pour notre ami le bonhomme de neige. Zut, si je valide pas, ça valide pas. Ah, il y a l'arbre qui me gêne.
encore un peu. Comme ça. Zut! Je fais des bêtises. On valide. On se laisse descendre. Est-ce que je vais pouvoir remonter? C'est pas dit. Ah, j'ai pas l'impression. Zut. J'avais espéré pouvoir remonter. On va faire ça différemment du coup. Comment je vais pouvoir faire ça différemment? Comme ça. On va pouvoir se laisser tomber sur une autre tuile. Une manière futée de pêcher dans la glace. Il attrapera peut-être un brochet. Et du coup, c'est parfait. On va pouvoir... remonter. Comment je remonte? Je remonte comme ça, je pense. Ça sera... Ah, je peux pas. Je ne peux pas remonter comme... Ah si, mais je peux remonter comme ça, tout simplement, du coup. Voilà. Sauf que, du coup, ça n'arrange pas. Il faudrait que je puisse remonter comme ça. Que je vais pouvoir, je suis pas convaincu. Non. On va faire ça comme ça. On va trouver une solution. J'aimerais bien juste retourner. Sur la glace, essayer de finir notre bonhomme de neige. Je sais, c'est un peu futile. Voilà, ici, et on a dit... C'était cette pièce-là qui m'intéressait. J'en ai 4, je vais pouvoir toutes les mettre. Donc ici, ça change rien. Ok. Je peux enlever cette tuile là d'ailleurs. Du coup, pour pouvoir faire des choses plutôt comme ça. Je suis quand même coincé. Faut vraiment que je les éloigne au plus. Non. Décidément, j'ai des gros doigts. J'oublie de valider. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre celle-ci là? Non. On peut peut-être faire comme ça. Okay, ça ne me permet pas d'y aller. Pas comme ça en tout cas. Un bonnet.
connaissances. Je crois qu'on était comme ça. Non, on était pas comme ça. Voilà. On va y arriver. Il nous manque un tout petit bout. Pas comme ça, visiblement. Ça le fera. On est arrivé sur la terre ferme. Ça me fera suffisamment pour aller sur de la terre ferme. Voilà. Et essayer de retrouver mon bonhomme de neige. Et voilà, on a fait un bonhomme de neige. Et c'est sûr, c'est cette aventure. On va s'arrêter là. On explorera le 7e iceberg la prochaine fois. Parce que oui, bien évidemment, on a débloqué le 7e iceberg et on n'est pas du tout allé voir le trésor qu'il y a dessus. Mais voilà, j'avais envie de finir le petit bonhomme de neige, hein, parce que c'était évident qu'il y avait des petites choses à faire avec lui. En tout cas, je suis très contente. Si là, le gameplay à glisser, à vanter, à neiger est assez compliqué. Je suis contente parce que les aventures et les énigmes sont toujours aussi palpitantes. Et je suis vraiment contente d'avoir ce jeu à vous montrer. J'espère que vous êtes contents également. On se voit très bientôt pour la suite. Et bye bye !